famille, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. L'équipe nationale de football béninois est actuellement en danger. Qu'est-ce qui se passe? Ceux du Nigeria sont actuellement en train de tendre quelques pièges à nos joueurs béninois. On est là pour tout dévoiler et les prévenir de ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Il y a aussi une affaire concernant le joueur béninois, Jodiel Dosso. Il a quel problème? Restez scotché jusqu'à la fin pour connaître toutes les vérités. Vous savez déjà que l'équipage du Bénin sont actuellement en Côte d'Ivoire pour jouer les deux matchs éliminatoires Coupe du Monde 2026, le 6 et le 10 juin prochain. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, apportez-vous, c'est de l'eau qui se passe ici. Celui qui veut de l'argent, se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229-51-03-71-79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait. Effectivement, la famille, comme je vous l'ai dit, les joueurs béninois, les Guépards du Bénin sont actuellement en Côte d'Ivoire pour jouer les deux matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si le Bénin va participer à cette Coupe du Monde ou pas, ça dépendra de ces deux matchs, ça dépendra des résultats de ces deux matchs éliminatoires. Toi qui vont jouer, voilà le 6 et le 10 juin prochain, c'est-à-dire demain jeudi 6 juin 2024, le Bénin va affronter le Rwanda à 20h00 sur le terrain au Fouébouaïn de la Côte d'Ivoire parce que actuellement nos Guépards sont là-bas. Pourquoi? On dit que normalement ces deux matchs seront devaient être joués au Bénin. Si on dit que le terrain, le stade du général Mathieu Kérékou n'est pas en forme, c'est pas bon. Bref, la Côte d'Ivoire aussi avait eu ce problème en tendon, que c'est pas un problème pour ça. Donc demain 6 juin 2024 à 20h, le Bénin va affronter le Rwanda. La famille, ça va vraiment bouger. Et le 10 juin prochain, le Bénin va affronter le Nigeria. Voilà maintenant, donc on est là pour le supporter. On leur souhaite bonne chance à l'équipe nationale du Bénin, l'équipe du Bénin. Pourquoi on parle de piège de la part de nos confrères nigérians? On dit que depuis quelques jours, la presse nigériane a commencé par diffuser quelques informations que nous on juge fausses. Pourquoi on dit ça? Premièrement, on a dit que le joueur Victor Osimhen, vous savez que c'est un attaquant de l'équipe nationale du Nigeria, qui joue très bien. On dit qu'il est forfait, c'est-à-dire qu'il ne va pas jouer le match contre le Bénin. Quelques heures après, on dit que le joueur Samuel, comment dit-on, Chukwueze, lui aussi, il est indisponible, il ne va pas jouer le match. Quelques jours après, on dit que tu es là, des joueurs, toute une liste de joueurs qui ne vont pas jouer le match. Pourquoi? Les gars, nous, on pense que c'est une stratégie, c'est une technique pour distraire l'équipe nationale du Bénin. Vous voyez un peu? Parce que les gars, si, franchement, si les gars, ils tombent sur ces informations, ils vont se dire, bon, on n'a plus de danger, on n'a plus de gros danger comme ça devant nous. Donc, ils ne vont pas se donner à fond. Les gars, on est là pour vous prévenir. Battez-vous. Préparez-vous en cause et en conséquence. Parce qu'il peut y arriver, on a déjà vu plusieurs fois. Le football est comme ça, on a déjà vu plusieurs fois. Il peut arriver que le jour du match, là, vous allez voir Victor Osimhen, tous ces joueurs qu'ils ont cités, forfait, vous allez voir sur le terrain. Donc, on est là pour parler au staff de l'équipe nationale du Bénin et aux sélectionneurs, à tous les joueurs. L'équipe, vous savez déjà que vous devez beaucoup à la nation béninoise. Donc, concentrez-vous et ramenez-nous de bons résultats. Ouais, peu, non? Donc, c'est une stratégie. Moi, on pense ça. Hein? Nous, on pense que c'est une stratégie pour distraire les joueurs du Bénin. Comment on peut dire que c'est faux? Nous, on pense que c'est faux. En tout cas, voilà le 10 juin. C'est déjà proche même. On va voir qui dit la vérité ou pas. Mais on a déjà prévenu les gars. Soyez vigilants. Jouez comme si c'est votre dernier match que vous voulez jouer. Quoi. Jouez comme si c'est la fin du monde. Donnez tout ce que vous avez fait. On est là pour vous soutenir, on n'a pas le choix. On est là pour vous soutenir, on n'a pas le choix. Donc, vive la nation béninoise. Maintenant, il y a quel problème concernant le joueur béninois attaquant Jodiel Dosso? Famille, si vous allez actuellement sur sa page Facebook, vous allez voir qu'il a désactivé les commentaires de toutes ces publications qu'il fait ces derniers temps avant ces deux matchs qui seront joués bientôt. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a désactivé les commentaires de toutes ces publications? Parce qu'il ne veut pas lire de sales commentaires. Nous savons déjà de quoi les Béninois sont capables. Les Béninois là, si le Béninois te veut, ah, tu es foutu. Hein? Donc c'est pour ne pas lire de sales commentaires, il a désactivé. S'il fait une publication là, toi tu ne veux pas commenter. Parce que les commentaires là, ça désoriente. Ça embrouille le cerveau en fait. Ça décourage. Donc pour ne pas s'embrouiller, pour ne pas lire de sales commentaires, pour ne pas se désorienter, pour ne pas se démotiver, il a jugé bon de désactiver tous les commentaires et toutes ces publications. Donc déjà moi je le soutiens pour ça, hein. Il a le droit. Parce qu'il a beaucoup à prouver à sa nation, il a beaucoup à donner pour l'équipe nationale du Bénin. Donc c'est pas ceux qui n'ont rien à foutre de leur vie qui vont venir commenter puis lui il va se distraire, non. C'est pas ça. Et déjà on le soutient pour ça. S'il peut faire ça pour donner de bons résultats, tant pis. On est là, on le soutient. Ouais, maintenant, le Béninois, excusez-moi, hein, si vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un, taisez-vous.
C'est vrai, on est fâché, parfois on est fâché contre eux parce qu'ils ne donnent pas les résultats qu'on veut. Mais on doit les soutenir, on n'a pas le choix. S'ils sont partis là, c'est pour aller représenter tout le Bénin. C'est pas pour aller représenter le drapeau de leur famille. Non, c'est ce qu'on oublie ça. Ils sont partis représenter tout le Bénin. Donc, qu'on le veuille ou pas, on doit les soutenir parce que si jamais, on ne souhaite pas ça, si jamais la honte intervient là, ce sera sur tout le monde, tout le Bénin. C'est pas seulement sur eux ou bien sur leur famille. C'est sur tout le Bénin. Donc, qu'on le veuille ou pas, on doit les soutenir pour qu'ils ramènent de bons résultats à la maison. Vraiment, on n'a pas le choix. On a pas parce que ces fois ils nous ont déçus beaucoup de fois, hein. La casse se dit la vérité, ils ont déçu beaucoup de fois. Mais moi je pense que ils n'ont jamais perdu un match volontairement parce que qui va vouloir utiliser son corps, déranger son corps, utiliser son énergie et perdre? Personne. C'est vrai, ils peuvent mieux faire, ils peuvent jouer plus que ça parce qu'on voit ce qu'ils font, ce qu'ils jouent dans leur club là, on voit ça. C'est pas la même chose. En équipe nationale, bon, donc on n'est pas d'accord pour ça. Donc ils ont beaucoup à donner pour ces deux matchs là. Ils doivent tout faire pour participer à la prochaine CAN, à la prochaine Coupe du Monde. Ils n'ont pas le choix. On est là, on doit les soutenir. C'est notre devoir. On voit un peu maintenant. Donc, chers Béninois vivant en Côte d'Ivoire, excusez-moi, je vous exhorte, je vous en prie, sortez massivement. Les tickets sont gratuits. Je vous préviens, les tickets sont gratuits. Donc, renseignez-vous pour aller prendre vos tickets et aller soutenir l'équipe nationale du Bénin. Parce qu'une équipe sans supporters, on sait ce que ça donne. Allez là pour les motiver, donnez-les la force de jouer, de donner tout ce que ça fait. Et je pense que les gars sont en forme. C'est une nouvelle équipe, si je ne me trompe pas. C'est une nouvelle équipe, quoi, les gars. Franchement, vous devez faire rêver les Béninois. Montrez à ces pays voisins qui se moquent de leur football béninois. Montrez qu'on est aussi capable de faire de très grandes choses, les gars. Les gars, on compte sur vous. Le 6 juin, demain, jeudi 6 juin 2024, le Bénin contre le Rwanda. 20h00 et le 10 juin prochain, Bénin contre Nigeria, ça va vraiment chauffer. Si le Bénin va participer à la Coupe du Monde 2026 ou pas, ça dépendra des résultats de ces deux matchs qui seront joués le 6 et le 10 juin prochain. Les guépards, on compte sur vous. Ramenez-nous de bons résultats, la famille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que voilà, vous êtes prêts pour supporter nos guépards du Bénin? Est-ce que vous êtes d'accord pour tout ce qu'il y a dit dans la vidéo? Est-ce que, en tout cas, écrivez allez les guépards en commentaire. Allez les guépards parce que si tout va bien, vous pouvez diffuser, vous pouvez suivre le match ici en direct. Si tout va bien, je vous le dis encore, si tout va bien, vous pouvez suivre le match ici en direct. Parce qu'on ne sait pas, nous on ne sait pas encore quelle chaîne de télévision béninoise va diffuser ces deux matchs. On ne sait pas encore si vous êtes bien. En tout cas, on ne sait pas. Mais si tout va bien, vous pouvez suivre ces deux matchs ici. Donc déjà, si vous voulez suivre le match là, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Likez la vidéo, partagez dans tous vos groupes. Voilà pour prévenir nos gars qui ne tombent pas dans ce piège là, qui se concentrent, qui jouent comme des fous ce jour-là. On compte sur eux qui ramènent la victoire. C'est un peu ça. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Toi qui veux créer ton compte TikTok monétisé pour nous contacter, le numéro est la plus 222-51-03-11-11. Tu seras super bien fait. Ici, c'est la première chaîne d'actualité béninoise. Toi qui veux te prendre chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin. Si vous t'es abonné, il n'y a pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Celui qui veut de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Contacte-nous via le plus 229-51-03-79. Toi qui veux créer ta chaîne YouTube, contacte-nous, ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite connexion, tu as déjà de l'argent.